On se relance en VOD pour continuer notre petite aventure sur Diablo 2. On est toujours avec Speed et Mad. Salut tous les deux. Yo. Salut. Donc ouais, je vous ai ouvert un portail à côté de celui de Speed. Ouais, tu peux venir Speed, c'est bon, on est rentré. Tu peux fermer ton portail, enfin. Donc là, on passe au niveau supérieur ou vous voulez qu'on cherche le TP d'abord ? Piste de glace ? Bah, je pense qu'on n'a pas besoin d'y revenir. Le TP, en fait, je le vois sur la carte, on l'a juste pas activé. Ah, tu le vois ? Ok. Vas-y. À mon avis, on a dû passer à côté dans l'action et... En tout cas, j'ai l'impression qu'il est là. C'est pas sûr. Hein. C'est pas là, là ? Ah non putain, c'est juste un petit truc de pierre. Un petit truc de pierre qui sur la map fait comme le portail. Bon bah échec. Non mais à tous les coups il est à l'autre bout, on n'y a pas été à l'autre bout donc j'y vais vite fait. Yep. Il est là où je suis. Merde, je suis fatigué. Bah vas-y, marche. Si c'est comme ça. Oui, c'est vrai qu'on peut repasser, quoique ouais. Le chargement va être plus long que... Hop là. Voilà, ça c'est fait. Ne meurs pas, Lien, ça suffit. Ouais, plus personne, hein, c'est bon. Je sais pas, je te vois mi-life, mais... bizarre. Non, pourtant... Ah oui, si. Si, mais il n'y a pas eu de coup, c'est juste que j'ai pas parlé à Mala. Ah oui, tu regagnes pas ta vie petit à petit. Eh ben non, il serait peut-être temps d'ailleurs que je m'occupe de ça parce que... Ouais, du coup j'ai changé mes épées, je fais 113 à 299 maintenant. Je vois. Et que je vole de la vie en plus. Des jolies épées rouges. Ce qui m'intéressait c'était les dégâts, mais c'est aussi 8% de vie volée. C'est pas mal 8% de vie. Et ça c'est quand même pas mal. Il fait 142 dégâts, ça fait quand même 15 PV quasiment volé. C'est pas dégueulasse. Vu la vitesse à laquelle tu tapes. Ah, une baguette en os. Ouais, mais elle est pas. Y'a pas de trou dedans. Non, y'a pas de trou dedans. Sinon, c'est gris clair. Alors, du coup, je vais prendre ça. C'est un petit peu moins fort en défense, mais 12% de chance d'avoir des objets magiques, je prends. Donc là ici on n'a rien à faire à part trouver la sortie ou le TP, mais sinon il y a rien de foufou. Ici, la caverne du Yeti, c'est pas une sortie. Non, on a rien à faire. Là, on a trouvé la sortie. Par contre, vous voulez qu'on cherche le TP ou on se casse ? Non, on peut se casser, je pense, parce qu'on n'a pas besoin du TP après. Ici, non. Il y a un serviteur là, Karn, si tu veux. Qui empêche le gars de nous rejoindre. Le vilain. Est-ce qu'il y a des. Ouais, potions de mana. Il est mort de manière désespérément inutile. Ah ouais, Michel est mort. Terrible. Je parlais du mob, du boss, mais oui, Michel aussi. Effectivement. Ah oh non, pas ces saloperies. Quoi, au secours. Je suis pas fan non plus de ces maps avec tous ces. Je vais aller chercher là, Michel qui, parce qu'il part partout. Il met du froid justement pour ces trucs là, il les empêche de partir. Attends, prends pas ton portail, je vais chercher mon Michel aussi.
Un jour, j'arriverai peut-être à le faire monter au niveau 18. J'ai la thune. Ah putain, j'ai pas la thune. T'es passé à un Michel de... un Michel barbare ou... Non, j'ai toujours un Michel avec une lance là. Ok. J'ai même pas fait gaffe qu'il était mort quoi. Ça se trouve, il est mort depuis la première minute où on est reparti au combat, mais... Il est mort dans l'ignorance de tous. C'est un peu ça, ouais. Je serais à sa place, je serais un peu déçu, quoi. Alors... C'est où? Tu suis les Tador. C'est vrai que vous ramassez pas beaucoup l'or, maintenant. Beaucoup moins qu'au début, j'ai l'impression. Moi j'essaye, mais... Je pense que c'est Speed, maintenant il a plus besoin, quoi. Non, mais j'ai vu votre technique, en fait. Vous attendez que je ramasse tout l'or, et dès que je meurs, vous me la piquez. Donc je me suis dit, ça rien, je la ramasse. J'avais oublié Mince. Ça, tiens. La vache. Non mais c'est vrai que je ramasse plus trop parce que vu que je vais plus trop jouer hors saison. Bon bah de toute façon t'es couvert quoi maintenant je pense. Ouais. Mais les personnages saisonniers on les garde après pour jouer normalement ou ça fonctionnera que vraiment durant la saison? Bah en fait au bout de je sais plus c'est 3 ou 4 mois une fois que la saison est finie, tous tes personnages que t'as créé pendant la saison et tout ce que t'as chopé arrivent hors saison. Ouais, mais tu peux continuer à les jouer. Ah oui, bien sûr. Okay. C'est juste que tu les joues plus en saison. Tu les rejoues en mode comme là, quoi. Ouais, ok. Et t'as toute la saison d'après pour transférer tes objets et tout ça. Que tu veux garder. Et genre, si tu le fais pas, ça efface tous les trucs? Ça efface tes objets, ouais. Le personnage, tu le gardes, mais par contre, tout ce que t'as laissé dans les coffres, tu le perds. Ok. D'accord. Mais bon, ça fait 3 mois pour le faire, donc ça va. Ouais. Ce que j'espère, c'est qu'ils vont intégrer quelques bonus comme dans Diablo 3, quoi. Parce que les saisons, avec des bonus, c'est quand même mieux. Ouais, je sais pas trop comment ils vont faire, parce que effectivement, ça veut dire retoucher quand même à tout l'équilibre du jeu si tu rajoutes des objets, des machins, des trucs. Non, mais par exemple, il te donnait. Il parlait pas de runes ? Ouais, si, t'as des mots runiques qui rajoutent à chaque fois. Mais par exemple, dans le 3, au début, t'avais un onglet de coffre supplémentaire. Quand tu faisais toutes les quêtes, t'avais le droit à un truc en plus, toi. Ok. Donc ça a motivé à refaire une saison. C'est vrai que pour le coup, un petit onglet de coffre en plus, je serais pas contre. Après, bon, c'est pas non plus indispensable. Moi, ils en ont pas parlé, hein, mais c'est ce qu'ils avaient fait sur le 3. Ouais, ouais mais le 3, tu lootes tellement de trucs et... Ouais, le 3, tes objets... Tu sais plus trop ça me paraît foutre, plus quoi. Normal sur le 3 que sur le 2, quoi, disons. Ah, tiens. Ah, mais il est parti. Ouais, c'est le charme. Le charme. Non, vas-y, t'inquiète. T'inquiète. C'est plus 5 dégâts de poison, un grand charme, donc c'est pas terrible. Ouais, tu dis ça à quelqu'un qui a plus 1 à 3 dégâts de feu, plus 6 dégâts de poison en 3 secondes, 1 à 3 dégâts de foudre, etc. Ah bah si tu veux, je te le file, hein, sinon je vais le vendre. Hein. Ah oui, bah si tu le vends, je le récupère. Je l'ai mis par terre. Yep. Merci. Pour moi, c'est trop grand et ça fait pas assez de dégâts. Alors, c'est vrai qu'il est, il est un peu grand. Ce serait pas mal la même chose en plus petit. Attends, on va pas réussir à le finir ce soir. Hein. Mais si.
Là, il nous reste à tuer le conseil et puis Bal. Voilà. C'est tout. Ok. Admettons. Vous y êtes ? Là, il faut prendre la petite porte. Oups. Ah oui, il y a le TP, oui. Attends, ils ont lâché 1000 PO pièces chacun, là. Laissez-moi m'enrichir. Bordel. Pourquoi tu lances toujours t'écris trois fois Bah, c'est parce que comme c'est en jeu, j'essaye que vous deux soyez dans la zone et les mercenaires aussi. Ok, je vois. J'ai presque 400 points de mana avec ton bonus quand même. Ça booste la vie quoi. Charme là. Bim. Ouais. Je suis trop chargé. Je suis trop chargé. Oh, j'ai pas de place. Hein. Alors, c'était quoi mon charme ici? 13% d'or sur les monstres. Et l'autre? Ça t'intéresserait pas le gant en cuir de démon là? À tout hasard. 39 de défense pour peu de force, je me dis que ça pourrait peut-être t'intéresser. Toi, Mad. Il est pas magique, mais. Défense 39, défense augmentée plus 11, défense pourquoi pas, ralenti adversaire de 25% et renversement sur un truc. Effectivement, ça ferait plus de défense. Donc, c'est comme tu le sens, je le laisse. Ouais. J'ai pris. Ça, hop. Mais on va les virer plus tard, les grands charmes. Baguette macarbe avec deux sertissages. Pas mal. C'est ça qu'on veut, c'est non parce que tu... C'est 4. Quel objet Non, la baguette, baguette. La baguette. Oui, c'est les deux qu'il faut, ouais. Du coup, j'ai. Mais elle est bien grise. Elle est grise, elle est supérieure. Okay. Elle donne, t'apporte quoi comme bonus? Elle donne 2 à cache thoracique et 1 à attraction. Et qu'est-ce qu'il faut alors comme rune? C'est pas des trucs que j'utilise, mais... Je sais plus, mais je peux regarder. Ouais, vas-y. Créer une barrière d'os fossilisée autour de votre cible. Ouais, pourquoi pas. L'autre, c'est quoi, attraction? Attraction... Attraction, maudit un monstre qui devient la cible de tous les monstres proches. Ok, pourquoi pas. Alors, c'est level 35, il te faut d'eau et l'eau. D'eau et l'eau? Ouais. Ah, mais ça, c'est des runes qu'on trouve pas en normal. Je sais pas. D'eau c'est niveau 35, donc... Niveau 35, j'en ai pas. Ouais. De toute façon, je sais pas le niveau, mais... D'eau et l'eau... Non, d'eau et l'eau, j'ai pas du tout. J'ai pas non plus. Parce que ça donnait plus 3 compétences poison et os, plus 4 à la maîtrise du squelette, plus 2 à lance d'os. Donc en gros, ça donnait plus 6 à lance d'os, quoi. Ouais, bah je vais la mettre de côté en attendant, quoi. Mais effectivement, pour l'instant, c'est hors de ma portée, je pense. Malheureusement, ça viendra. À réparer pendant qu'on est là. Hop. Ouais, moi aussi parce que. Merde, putain. Excuse-moi, je voulais pas commercer.
ça sert à rien ça. Pourquoi je me tape ça dans mon inventaire quoi? Hop là. Alors, le chemin des anciens, c'est ça. Ah, Karn, t'es encore en ville? Non, c'est bon. Non, okay. On est parti. Oh, il a une aura de régénération de vie en plus, mon mec, ce serait dommage de s'en passer. Juste qu'il arrive à lui-même ne pas mourir, quoi. Après, si tu n'as pas mis du tout d'équipement, c'est pas facile non plus, quoi. Si, quand même. Il est à poil. Attends, il a un harnois gothique à 72 de défense et un casque à 50 de défense. Bah, faut pas de sa gueule, quoi. Pour un level 17, c'est pas mal. Je suis déçu de voir à quel point il y a peu de coffres fermés à clé, quoi. Ça a vraiment aucun intérêt de prendre les clés. Au début, pas mal, puis après, ils ont dû oublier de fermer les coffres. Enfin, c'est un petit peu aberrant aussi en même temps. Tu te dis, le tu gars. Tu veux dire trouver un coffre au milieu d'une grotte comme ça? Non, je veux dire qu'il n'arrive pas à ouvrir le coffre. Ah oui, alors là, attention, on y est. Donc là, vous vous rappelez, sauf si c'est vraiment la merde, faut pas faire de TP, sinon ils repartent tous en statut. Même en multi comme ça? Ah oui. Tiens, vas-y, ça, si tu veux. Que si on part tous, non? Ou si on a un qui reste, ça marche. Non, dès l'instant que tu déclenches ton TP, ils reviennent en statut. Et ouais. Si on le fait avant? Ça marche pas, non? Bon, écoute, on va voir. Allez, c'est parti. Nous avons été choisis pour garder le mont Ariadne, où est conservée la pierre. Peu sont dignes de l'approcher, moins encore comprennent où t'es pas le pouvoir. C'est qui fait de la lignée? Pas moi. Je buvais un coup en attendant. Et je me suis toujours demandé si Baal avait dû les vaincre. C'est une bonne question. Non, Baal il les a corrompus. C'est pour ça qu'il est passé, c'est pour ça qu'il nous attaque. Je dirais ça. Bah non, puisque c'est pas plus ou moins logique. Quoi. N'importe qui, ouais. Mais voilà, faut les tuer, donc. Attends, mon mercenaire n'est même pas mort, quoi. Nouvelle stat. On va booster un peu ça et un peu ça. Voilà. Bon, voilà, il nous reste balle. Les trois étages, là. Il faut qu'on aille le chercher dans son trou. Allez, go. Il va falloir que je mette une cymbale en son stream deck. Je pense. Cymbale. Oh ouais, pour célébrer les vannes de Splug. Hein. Bah des fois le signe il dit aussi ça. Non. Si, sur balle, si, tu l'as déjà dit. Non. Je me rappelle très bien. C'est toi qui me l'as appris, ça. Bien. Je suis quelqu'un de chaste et pur, tu apprendras. Donc ouais, niveau des vaches, il nous faut la jambe de Wirt, il nous faut un bouquin de TP. Un bouquin de portail, c'est tout, ouais. Juste ces deux trucs? Ouais, et finir le jeu. Faut avoir fini le jeu, quoi.
Mais okay. Finir, je me demande, c'est même pas finir Diablo. C'est pas obligé de faire Baal. C'est une bonne question. Pour moi, c'est Baal, hein, mais. Est-ce qu'on pourrait le faire dès le jeu original? Non, pour moi, ouais. Faut Baal, mais. Bon, ah oui, ou alors sinon faut jouer sans l'extension. Ah, ok. À la création du personnage, peut-être. De toute façon, on va pas retourner maintenant, hein. C'est pas grave. Hein. Bon, on va le faire juste après, quoi. Oui, après, mais on va pas. C'est pas très long. On va pas partir avant d'avoir tué Baal, quoi, ça veut dire. Ah oui, non. On va pas faire demi-tour maintenant pour le fun, quoi. Ce cul-de-sac de l'enfer. Niveau 2. Ouais, ça va très vite, hein. Enfin, entre. Ouais, ça va. À partir de Nilatak. Karn, reviens par ici. Vous êtes parti où? Ah. Je suis les cris. Je suis les bling-bling de ta pièce qui tombe. Ah, c'est super classe dans la version Resurrected, les morceaux de jambes qui tombent, les trucs qui explosent là. C'est un peu insupportable et... C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Le TP. Attends, on l'a pris. Ah, ça fait un peu penser au Wololo de... Ah ouais, c'est un peu ça, ouais. Wololo. Les Wololo Resurrected. Bah, le niveau des vaches, il est pas mal pour ça. Je me souviens pas. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est des vaches, tu les entends... Ah oui, Ouais, voilà, c'est ça, quand tu... Exactement. Dis donc, c'est toi qui as fait les voix, non? Le spoil. C'est par là. Cool. Ouais, ils sont vraiment tout petits les niveaux. Ouais, j'avoue. Pour l'instant, ça va, on a eu de la chance, on n'a pas eu les espèces de fantômes là qui tirent des éclairs. Parce qu'ils sont vraiment galères. Mais c'est pas la première fois que tu m'en parles de ça, et je pense que c'est à partir de cauchemar ou plus loin. Parce que... Non, parce qu'il y en a un peu dans le... Après ça dépend de si t'as de la chance ou pas, mais... T'en as dans le Grand Marais, dans l'acte 3. Et puis t'en as aussi... avant Diablo. Ah oui, ceux qui lancent un grand rayon laser qui te purge le mana là? Ouais, c'est ça. Et puis qui te descend de ta vie. Là. Dans le sanctuaire des arcanes, y'a pas ça aussi? Non. Je vois ce que je vois les quelques. Non, c'est pas ceux-là. Eux ils prennent que le mana dans le sanctuaire. Ils t'envoient pas des trucs, des foudres. Ouais, ils t'envoient un long trait de boule de foudre collé là qui vient s'écraser ouais. Sur toi. Je vois très bien. Alors là, il y a une tête décomposée, potentiellement sertissable. Un seul truc, on s'en fout. Putain. Ah, il est là, à la sortie. Qui c'est qui me tire dessus? Non là mais si, elle m'a tu peux la porter. Ah putain. Je pensais que c'était Karn, mais non. Ah. Absolument pas. Effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a une ressemblance. Mais pourquoi il s'approche de moi comme ça? Pourquoi il a l'air énervé? Quelqu'un pourrait m'ouvrir un portail quand vous aurez fini de gérer. Oh. Je vois que l'IA a un peu de mal. Mais attention, le prends pas tout de suite.
Si, si, je le prends tout de suite, moi, je suis sportif. Ah, bah là, c'est bon. Bon, j'ai un peu perdu toute ma thune, mais c'est pas grave, ça m'apprendra à la porter sur moi. Tu l'as pas récupéré ? Si, mais j'en ai perdu 16 000 en mourant. Ok. C'est pas moi, j'en ai que 11 000 sur moi, donc je ne balancerai pas qui a pris du non, coup. Je vais pas passer dessus. Ah non, non, c'est vraiment le ce que j'ai perdu en mourant. Tu sais, le ce que je perds en mourant, quoi. Ouais, j'avais vidé mon coffre un moment pour ressusciter le mec et j'ai pas été redéposé, ben voilà. C'est comme ça, puis c'est tout. Alors du coup, c'est où la sortie ? En haut, à droite. Ah oui. T'as un portail en ville, j'ai, si tu veux. J'ai. Toc, merci bien. Petite potion de mana. Hop. DPO, Karn doit pas être loin. Ouais, c'est plus les Minotaurs, tes cousins, en fait, que les autres barbares. Hein. Au niveau. Mon frénésie aussi, ouais. Non, oh, Charmeleon. Ah, mince. Échec, plus un, à la force, je te le laisse, si tu veux. Non, bah non, ça va. Merci. Quand tu vois Karn qui prend des dégâts, tu sais que ça cogne. Tiens, et là il y a le Michel Millepattes là. Coucou! Ah, il est quand même bien fait en Resurrected. Hein. Remarque, il était quand même pas mal bien fait en normal aussi. Insensible au feu, bon, il s'est fait défoncer le cul. Ça se passe mieux à plusieurs, hein. Je me souviens quand je t'ai vu le faire, Mad, avec je sais plus quel perso. Ah oui, ouais, t'arrêtais non, pas de reculer, de repartir, de reculer. De faire des tours autour des trucs pour que les gars me suivent un par un, etc. Ouais. Mais c'est vrai que là, en 5 minutes, c'est réglé. Ça n'empêche pas de rigoler, hein. C'est clair. Quand t'as tes pièges qui s'activent aussi, ça fait plaisir. Hein. Mais je me rends pas compte en revanche des dégâts qu'ils font. Et je sais pas combien je peux en avoir au maximum. Je pense qu'ils font quand même un certain... 4. On va avoir 4, ouais. J'ai pas l'impression qu'ils font tant que ça. Je crois que c'est surtout Karn qui va vite. Il court vite, il tape vite. Ah mais oui, c'est vrai que j'ai perdu toutes mes potions, putain, j'ai oublié. Ouf. Lister, le destructeur. J'essaie de DPS un peu Karn, mais... Ils sont bien solides ceux-là. Hein. Ouais, j'essaie de m'aligner un peu mieux. Voilà. Et c'est là que tu vois ma vie qui fait le yo-yo avec la récupération de vie et les dégâts que je prends. Level up, encore un. Journal de quête. Hop. Tuer balle. Bon. Simple, efficace. Encore une pub pour l'assurance. C'était la garde des anciens. Simple et efficace. C'est parti donc. Bon, mon Michel est décédé, mais on fera avec. Hein. Ah ouais, pareil, je l'ai pas vu partir. Mais il est bien parti.
Ah, je peux le maudire, hein. Ça c'est cool. Allez, crève! Comment ça se fait qu'il arrive à faire des dégâts à travers mon bouclier d'eau? C'est un scandale! C'est parce que toi et Saturne, il y a trois petits boucliers et il y a un vide entre chaque. Et là, il a pas eu le temps de pop ses collègues. C'est cool parce que quand il se téléporte, mes têtes de dragon, ils le suivent. Ah bah tu vois, finalement, c'est pas mensonger. Ouais, ouais, non, j'avoue. Bon, il se fait quand même péter le cul, hein, on peut pas dire le contraire. Non, et là c'est... Et puis alors d'habitude, voilà, il pop ses images miroirs. Et là, rien du tout. Ça c'est fait. Bah écoutez, c'est le GG. Fin d'épisode, enfin non pas fin d'épisode puisqu'on va avoir le niveau des vaches après. Ouais, si vous voulez. Fin de let's play. On va aller se faire la cinématique tranquillement et puis let's play vache. Ouais, de toute façon moi il y a des chances que je crache entre temps donc je reviendrai. Pas de soucis, on se retrouve où du coup pour faire ça. Acte 1. Acte 1, ok. Oh. C'est y part pour... Par contre c'est en normal, hein, c'est pas un cauchemar qu'il faut faire. Oui, oui, t'inquiète. C'est parti. Je suis très impressionné, mortel. Vous avez sauvé le monde du péril le plus grave qu'il ait jamais couru, et vous avez vaincu le dernier des trois. Malheureusement, il est trop tard pour sauver la pierre monde. Elle a été définitivement corrompue par les pouvoirs de Baal. Au fil du temps, les énergies de la pierre monde vont se disperser et les frontières des plans s'effriter. Les armées des enfers vont s'engouffrer dans ce sanctuaire et éradiquer ce que vous et les vôtres avez contribué à construire. C'est pour cela. Je dois détruire la pierre monde avant que la corruption soit totale. Cet acte changera votre monde à jamais, et moi-même suis incapable d'en concevoir toutes les conséquences. Mais c'est le seul moyen d'assurer la survie de l'humanité. Partez maintenant, mortel. J'ai ouvert un portail qui vous ramènera en sécurité. Puisse la lumière éternelle vous baigner de ses rayons, vous et votre descendance, pour ce que vous avez fait aujourd'hui. La survie de l'humanité est assurée grâce à vous. Par-dessus tout, vous avez enfin le droit de vous reposer. Parfait, et bien on va se lancer le petit, la petite cinématique et on se retrouve après.
Eh bien, c'est la victoire. C'est parfait, du coup, on va arrêter la VOD là, et on va se faire une petite vidéo bonus avec le monde des vaches. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.